Hello. Par contre, j'ai l'impression de pas t'entendre sur ton stream, Cyber. Non, je m'entends moi, mais pas toi. Oui, voilà. Ah, voilà, une petite erreur à corriger. Par contre, le micro qui... Il va un peu fort, le micro. Voilà. On voit bien que ça fait un bout de temps que j'avais pas repris un peu du live. Alors, voilà, comment ça va, Madame Satouille? Maintenant, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Ouais. Ah, voilà, ok. Eh ben, salutations tout le monde. Bonjour Chantal, bonjour Virus, j'ai vu passer. On a Salchou qui est sur Discord. Et Noël, quoi. Ça va toujours trop fort? Faut le dire hein, si ça va toujours trop fort. Mais bon, pourquoi est-ce que le non, son non, il a. Pas mal. Ouais, je sais pas pourquoi est-ce que le son il a bougé comme ça. On s'y attendait pas. Bon, bah, voilà. Alors aujourd'hui on va faire un petit peu du bricolage. Comme vous savez, la fois passée, il y a un petit bout de temps, il y a 15 jours, il y a 3 semaines peut-être, j'ai récupéré un vieux Commodore qu'on avait mis en route. Et on va essayer de faire le Pi-1541. C'est-à-dire qu'on va jouer avec ceci. Ça s'appelle la Raspberry Pi. On n'a pas encore fait tiens ça sur la chaîne. Et on va essayer de programmer ça pour simuler un lecteur de disquette. Je ne me trompe pas, c'est un lecteur de disquette. Voilà, j'avais un petit peu tous les accessoires. Je sais pas si vraiment je devrais avoir tout pour le faire. Donc la prise, ce connecteur, enfin bon, il doit y avoir normalement tout. S'il n'y a pas tout, on improvisera. D'habitude. Voilà un petit peu ce qu'on va un peu bidouiller aujourd'hui. Et si ça va pas, ben je ne savais pas. On fera du blabla. Voilà. Alors, ceci dit. Oups, si vous le faites, faites-le bien avec les doigts et ne les mettez pas n'importe où. Hein, comme toujours. On dit toujours la même chose de toute façon. Voilà. Oh, que c'est magique quand on fait ça avec un doigt maintenant. On a inventé le deck. Hein. Hop là, on a le petit deck sur le téléphone. Sympa. Hop. C'est joli le petit deck. Ouais. C'est Samy. C'est Samy. On peut faire un peu. On peut faire un peu de tout d'ailleurs avec Samy. Salutations Monsieur Virus. On peut faire de la programmation toute séquentielle. Évidemment, j'avais une petite erreur avec le micro, mais le micro s'est pas activé. Voilà, il s'est pas démuté. Il aurait dû se démuter, mais bon, voilà, c'est pas. Ça arrive. C'est-il du test. Ce qui est pratique avec ce deck, c'est que. Salut Fasteco. C'est que au moment où tu cliques le start. Starting. Il start OBS et tout. Il start vraiment tout le. Il te met à la bonne scène, il te met le micro, il fait tout et il démarre OBS. Qu'on n'a pas trop strike assez. Voilà. Peut-être un live un jour là-dessus, tiens, pour un petit peu. Mais je le connais pas encore assez pour dire de faire un live de présentation de ce logiciel. Bon, je le connais très très bien. Et ben, alors aussi, quand on a. Ah oui, ça. On a la petite imprimante sympathique. La caméra, elle est là. Hop, on a la petite imprimante sympathique maintenant qui fait. Qui fait nos petits tickets. Un petit peu. Un sub, quand tu mets un bit, il y a l'éclairage aussi qui va aller avec. Il y a un peu de tout. Imprimante thermique. Ouais, une imprimante thermique, ouais. Une imprimante à ticket, une Epson TM88V. Une petite imprimante au modèle rouleau. C'est un peu comme ce modèle-ci d'imprimante, hein, à peu près dans ce modèle-ci. C'est un peu plus grosse. C'est celle-ci, je trouve. Oui, celle-là, elle me sert avec mon oscilloscope numérique. Parce qu'en fait, celle-là, la particularité qu'elle a, c'est que c'est des grands rouleaux, des larges. Sinon, tu mets des dans les petites, ben, ils sont bon, un peu plus petits. Ouais, voilà, c'est à peu près. Voilà. Les petits, voilà. C'est normal. Donc celle-là, c'est quand je dois faire des copies d'écran. En plus, elle marche en parallèle et en série, donc on peut la brancher un peu sur tout. Et en même temps, elle est sur batterie. Donc on n'est pas toujours obligé d'avoir les blocs d'allume avec.
pour la faire fonctionner, mais il faut la mettre chargée de temps en temps aussi. Ça, c'est pas du luxe, ça, de la mettre chargée. C'est toujours pour moi, ça. Bon, alors... 15-41. Il n'a pas beaucoup d'idées. Il faut que je les voir sur le net en même temps de regarder. De toute façon, on va installer un Raspberry Pi. C'est pas très compliqué à installer. D'ailleurs, j'avais fait il y a quelques temps d'ici avec un Raspberry Pi comme ça. J'avais fait un bot Twitch avec ça. Hein? OLED au désespoir. Ah oui, OLED au désespoir. Oui, il a vu les écrans. Alors, j'ai essayé le. Ah oui, tiens, qu'on revient là-dessus. Il y a une grosse semaine d'ici. J'ai monté ce récepteur radio qui en fait est pour réceptionner les communications entre aéroport et avion. Donc il se situe juste au-dessus de la bande FM standard qui est du 108 au maximum à 8 MHz, donc il va de 116 à 136 MHz celui-ci. Mais étant donné qu'il y avait eu la tempête et tout ça et que j'avais dû descendre mon antenne, j'ai pas d'antenne efficace, je vais dire, pour avoir accès aux communications. Je voulais au moins avoir la station météo de l'aéroport qui est tout près de chez moi, mais j'ai essayé avec une petite antenne, etc., mais c'est pas du tout suffisant pour arriver au bout. Donc ça, on va le garder dans les tiroirs, parce qu'il faut quand même ajuster sa fréquence. Il y a un oscillateur, hein. Il y a un oscillateur ici, il y a une self, petite self. Tiens, attends. Hop là, on va amener Zoom Zoom. Comme ça, Zoom Zoom, on va, hop. Voilà, Zoom Zoom. Oh, j'adore cette application. C'est la vie. Non, pas juste après ton pointeur souris. Alors on a si tu retrouves mon bic aussi, peut-être mon bic, ce serait peut-être intéressant de pouvoir montrer. J'ai fait un peu de rangement sur le bureau, mais c'est pas encore ça du tout. J'ai pas encore fini de ranger. Ce n'était qu'un début. Bon, on va prendre celui-là, c'est pareil. Donc on a ici une self, donc là où il y a il y a une self ici, et le condensateur variable qu'on appelle ça une varicap. On appelle ça une varicap. Ce n'est pas un transistor à titre d'information, parce qu'il y en a qui pourraient dire ouais mais non c'est un transistor, non c'est une varicap. D'ailleurs on voit le schéma là, à la base c'est un condensateur variable. C'est quoi les spirales carrées? Les spirales carrées que tu vois ici, il y en a 5. C'est comme si tu aurais cette pièce-ci, cette self. En fait, dans certains. Enfin, ici, comme on est dans la VHF, qui est des ondes plus courtes, qu'on travaille dans l'ordre d'une antenne de 2 mètres, hein, un petit peu plus. Attends, c'est un peu plus grand que 2 mètres. Un petit peu plus grand quand on calcule le lambda. En fait ici c'est comme si tu aurais un enroulement de fil. Où est-ce que j'ai mis l'autre? Je l'ai vu passer quelque part sur le bureau. Voilà, je vais montrer avec la pincette comme ça, parce que c'est tellement petit que c'est compliqué. Alors quand on parle de self, voici une self. Voilà, donc c'est un enroulement de cuivre. Voilà, on bobine du cuivre sur un support et ça forme une self ici avec un noyau en fer qui permet de faire varier un petit peu la valeur de la self. Voilà, et donc ce que tu viens de voir là, virus, là, la petite pièce avec le cuivre, ça équivaut à ce qui est là, ça équivaut à cela. En VHF, en général, bien souvent, on peut se permettre de les calculer sur un circuit imprimé. Ça évite de faire des enroulements de cuivre et tout ça, on peut les dessiner directement. Alors ça fait une spirale, et en son centre, le centre est raccordé ici en série avec le reste. Donc, attends,
Quand tu regardes ici, la sortie est là, donc la sortie de self elle est ici. Voilà, il y est arrivé, hein. J'ai regardé déjà le bon écran. Et on ressort ici vers l'autre self et l'autre self. Voilà, et alors c'est tout un ensemble en fait. Quand on regarde le schéma, vous montrer le schéma, ce sera peut-être plus facile à comprendre quand on les met ensemble. Bougez pas, le schéma il arrive. Ah bah hop, pour me déballer. Alors sur le schéma, on voyait ici les carrés. Alors quand tu vois les carrés comme ça, c'est en fait les selfs. Bon, il y a deux manières de représenter des selfs. Regarde s'il y en a une autre. Mais il y en a avec. Non, ici il y en a une là. Voilà, par exemple une self. Voilà la, le symbole d'une self dans les schémas électroniques. La self qui est ici par exemple. Voilà. C'est une self, tu vois. Mais on représente aussi des selfs en carré comme ça. Ici, ici sur le schéma, c'est parce qu'elles sont bobinées sur. Elles sont pas bobinées, elles sont dessinées sur le circuit imprimé. Et elles sont représentées sous forme de carré. D'ailleurs, si tu vois, il y en a une, deux, trois, quatre et cinq. Les deux premières, elles sont ici, les deux grandes. Et les trois petites, elles sont ici avec leur condensateur qui sert à faire un ensemble de filtrage. En fait, un ensemble de self et de condensateur, ça fait un filtre. Un filtre de fréquence. Ça rejette quand même pas mal de fréquences indésirables qu'on ne veut pas entendre. On pourrait les entendre mais qu'on n'a pas envie d'entendre. Voilà. Voilà, c'est ça que c'est, les petites spires. C'est juste que du cuivre, hein. Y a rien de chinois, hein. C'est du cuivre. Y a rien de chinois, c'est un jeu de mots, mais bon. C'est juste qu'une spirale en cuivre, c'est tout. Mais elle n'est pas, on ne sait pas l'ajuster par contre. Ici, elle est faite sur un support, elle est fixe. Donc il faut bien la calculer quand on est quand on fait des dessins comme ça sur le circuit imprimé, il faut bien la calculer en fonction en fonction du diamètre de la piste, de l'écartement entre chaque piste et du nombre de spires. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu pour calculer ça. Moi je suis pas fervent de mettre en dessin comme ça. Je préfère mieux d'avoir une croupeur ajustée sans même. Ok, j'arrête pas d'éternuer aujourd'hui, hein. C'est... Oh là là, là, là. J'ai pas ramassé la craie, ça va, j'éternue tout le temps. Oh. Mais il commence à faire beau, ma part aujourd'hui, qu'il commence à encore à pleuvoir, mais bon. C'est la saison des pluies, saison catastrophique. Donc voilà, donc je laisse le récepteur ici, je vais le laisser en stand-by. Il est monté, il fonctionne. J'ai entendu un soupçon tout à l'heure quand même. Un soupçon de communication. Mais vraiment, on a un tuneur ici. Donc là, ici, on a ce potentiomètre 6 sert de tuneur. C'est un tuneur électrique. C'est-à-dire que c'est la diode varicap qui est là. Qui en fonction de sa tension d'alimentation varie. Varier un condensateur, un effet capacitif, tu vois, sa tension d'alimentation, un peu comme si on utilisait un condensateur variable de radio, donc comme par exemple celui-ci. Condensateur, si vous avez déjà vu ça quand vous démontez les radios, hein, c'est un condensateur variable. Voilà, hop, c'est un condensateur variable. Hein, ça, c'est comme si en fait on utilisait ça, mais en version électronique. Et ça a la forme d'un transistor, bien que ce n'est pas un transistor, puisqu'il est là au milieu, hein, c'est celui-là. Hein. Et on revoit son symbole qui est en dessous. Ça fait office de tuneur. Donc on met un condo, une selle en parallèle, et on a un circuit oscillant. Ça sert de filtre, et en même temps on peut faire le plus bête appareil qu'on peut faire pour quand on est radio amateur et qu'on veut régler une antenne, par exemple, en 2 mètres. En 2 mètres, ben, on fait le 3 quarts du temps, quand on veut faire une antenne simple, pour mettre sur un véhicule par exemple, on fait une quart d'onde. C'est-à-dire qu'on calcule le lambda du 145... on le met sur 100... ça dépend un petit peu, bon, on peut calculer une antenne sur 145, avoir une large bande pour pouvoir émettre.
Si on, par exemple, on prendrait, par exemple, c'est un truc récupéré d'un récepteur FM. Si par exemple on prend ceci et qu'on lui ajoute une salve entre les deux bornes ici, entre ces deux-ci, on ajoute une salve, ça fait un circuit résonant. À la sortie de ce circuit, on met une pin à la masse et l'autre, on la met à une diode germanium. Diode germanium, souvent, c'est des petites diodes. Je ne sais pas si j'en ai sous la main, peut-être pas. Diode germanium. Je vais regarder si j'en ai pas une qui traîne. Hein. Non, pas ça, c'était ça, je me suis trompé de bouton, merci. Déjà, ça commence déjà bien. J'ai tout, mais je pense pas que j'en ai. Non. Diode germanium, c'est une diode en voie à travers, déjà. C'est une diode en général en vert, transparente. Oh tiens, un Altini 85. Ah, ça va faire plaisir à Virus, tiens ça. Ah, madame Virus. Altini 85, format micro USB. Un microcontrôleur de la série Atmega, pour ceux qui veulent, ça va. Germanium, c'est le gaz. Non, c'est pas du gaz. C'est la matière en quoi elle est faite. Il y a le silicium et il y a germanium. C'est du... C'est deux matières totalement différentes et qui ne donnent pas les mêmes caractéristiques sur les diodes et les transistors. J'en ai vraiment pas. Je croyais que j'en avais une qui traînait quelque part. J'en ai vraiment pas besoin de vous montrer. Ah, peut-être là-dedans. Là-dedans, il n'y en a pas non plus. Là-dedans, pendant que je regarde dans les transistors, il doit y avoir quelque chose pour la température là-dedans. On prendrait des titres. Ah ouais. Il faudrait que je la recommande aussi parce que j'ai plus que celui que je t'ai montré. Là, les autres, ils ont été utilisés un petit peu partout. Et il n'y en a pas. Hein. Les diodes de germanium, souvent, pour ceux qui aiment bien bricoler, on en trouvait souvent dans les jouets, les 200 montages électroniques ou des trucs dans le genre. On en trouvait souvent là-dedans d'ailleurs, des diodes germanium. Parce qu'il y avait justement pour faire le récepteur AM, récepteur des grandes ondes. Il y avait toujours, c'est le premier truc en général qu'on faisait avec. On apprenait comment fonctionnaient les composants, et puis quand les composants, on avait compris comment ils fonctionnaient, on se lançait dans la radio AM, hein, la radio des grandes ondes. Et j'en ai en bas, tiens, ça, des jeux de bricolage comme ça. Comme pas live, tiens, avec ça. J'ai deux modèles. Donc j'ai le modèle analogique, et j'ai le modèle avec... avec un microcontrôleur qui était déjà à l'époque, c'était oulala, c'est déjà pas trop mal hein, déjà de trouver un microcontrôleur à ces temps-là. Et ça vient évidemment de chez Tandy et Radio Shack. Hein. Ça vient toujours du même côté de toute façon. Ce qu'on faisait à l'époque, on aimait bien de bricoler avec ça. Ah, c'était phénoménal à bricoler avec ce truc. Alors, donc, on va. On va regarder. On va regarder avec. Ah ouais. Ah, c'est un Cyberpunk 3 celui-là. Merde. Trompé. Ta-ta-ta-ta. Je vais repasser sur ma caméra de bureau. On va regarder comment on va installer ce. Raspberry Pi, on va essayer de faire un Pi 1541. Nascaria 18, salutations les arrivants. N'hésitez pas à parler dans le chat. Hein, si... J'ai enlevé l'épée, mon dieu. Non, j'ai enlevé l'épée. C'est pas possible ça. Ça, c'est un scanner. Scanner radio. Ceux qui connaissent pas. Voilà.
problème, c'est que je pensais que lui marchait sur les fréquences aviation. Et justement, je sais pas pourquoi, hein, mais quand on regarde sa caractéristique, quand on regarde sa caractéristique, qu'est-ce qu'on peut voir? Il va de 68 à 88 et de 137 à 174. Donc en fait, il est juste là où il doit pas, où je dois aller, il n'y a que cette bande-là qu'il n'y a pas. Donc c'est un peu... Non, non, je fais pas de spirit box. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non, je sais pas s'ils font un spirit box avec un scanner, c'est pas... C'est pas le meilleur. Il faut un tuner... Il faut un tuner... tuner FM avec... tuner digital. Qui tourne en boucle constant. C'est ça qu'il faut une spirit box. Bref. Je ne sais pas si ça s'avère vraiment efficace une spirit box. Hein. Parce que c'est vraiment tombé au bon moment par hasard. Au moment où un animateur vient lâcher un mot. Bon. Ah. Il y a mieux, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas de scène pour ça, mais tiens, on va utiliser celle-là. On va juste enlever ce qui est pas utile. Ce qui est pas utile du tout. Alors, capture Discord, non. Ta-ta-ta-ta. En plus, il y a tout qui y est, en plus, c'est ça qui est bien. Ah voilà, on va enlever l'image. On va enlever l'image. Ah mais ça fait partie du tout. Ah merde. Bah bon c'est pas grave, de toute façon c'est que c'est moi, donc on s'en fout. Ah, incitation à la débauche. Non je blague. Pourquoi incitation à la débauche? Qu'est-ce que c'est? C'est Wisebot qui lui a demandé son plus gros défaut. Ah oh, ouais bah ça, faut pas faire et confiance Wisebot à Wisebot. Qui fait, sa propre partie de Spirit Box. Ouais. Alors, j'aime bien parce qu'il y a Notabot de F8 et Notabot de F4. Ah, attention. De toute façon, perso, il y a quelque chose qui va plus sur le live ou quoi? Je suis plus en live. C'est toujours en live, mais il y a un petit écran noir. Ouais, ouais, mais c'est parce que moi ici je vois qu'il est en. Ah bah, non, voilà. Je sais pas si tu partages la caméra par exemple, mais ici, en live. C'est reparti. T'es sûr que c'est reparti parce qu'en live je vois toujours ton écran noir. Bah, il y a moi dessus. Bah, il y a juste toi, mais rien d'autre. Ouais, ouais, bah c'est normal. Okay. C'est normal, c'est normal. Parce que je dois ouvrir une fenêtre de Firefox. Et aller chercher des fichiers Gimlo. Juste le temps de faire la transition, évidemment. Alors, on avait une capture de fenêtre. Voilà. Firefox, là, hop. Et ça a décidé de pas vouloir aller. Si, ok, ça marche. Juste qu'elle est un peu grande. Oh. Voilà. Par contre, c'est con parce qu'il y a une grande bordure d'un côté et une petite de l'autre. Pom pom pom. Voilà. Ouais, c'est bonjour les bots. Ouais. Oh, mais les bots, ils vont prendre la porte, hein, parce que... Alors, on est parti sur une histoire d'un PI1541. Alors, qu'est-ce qu'un PI1541? C'est une interface pour brancher à Commodore. Enfin, lui simule un lecteur de disquette via un Raspberry Pi. Voilà. Donc, on va essayer d'installer ça sur un Raspberry Pi comme ceci, comme celui-là.
des Raspberry Pi là. On va essayer d'envoyer ça là-dessus. J'ai dit on va essayer parce que c'est toujours conditionnel ces machins là. Alors c'est quoi ça? Un Pi. Pi modèle B 1.2. Un Pi de 2014. C'est quelle version un Pi de 2014? Alors, Raspberry Pi, voilà, Pi B 1.2, quelle version celui-là, un modèle 2, oh. Un Pi 2, oh, un Pi 2, donc un Pi 2, alors il faut prendre cette version-là. Alors là, c'était le binary, ouais. Alors on télécharge celui-là, le premier et le 2. Pom pom pom, il repoute tout ça sur une carte SD. Une micro SD, pardon. Tout tout tout. Setup, ah, voilà. Alors, on va lui mettre une carte SD là-dedans. Alors, est-ce qu'on peut changer? Attends, on va essayer de faire une capture autrement. Capture d'écran. L'écran principal, voilà. Merci. Là, il m'a fait tout disparaître. Bon, allez, hop. Pom, pom, pom. Tout, tout, tout. Capture d'écran. Capture de jeu. On va remercier. Voilà. Bon, capture d'écran, elle est là. C'est un peu embêtant. Il y a une belle fenêtre grise. Et on va le faire descendre. Voilà. Donc alors, on prend ce fichier là. Il y a un fichier kernel. Évidemment, il arrive toujours sur le mauvais écran. Kernel IMG, là on a une image. Qu'est-ce qu'il dit? Donc formaté, formaté. Donc on doit télécharger le machin, copier les trois files. Ok, donc on doit faire comme si on installait le Raspberry Pi. Bon. Alors, il m'a donné autre chose. Firmware, ouais, ok. Bon, on va laisser télécharger. Hein. Je ne sais pas combien de temps on va prendre pour le télécharger. Mais on peut le regarder pour l'interface. Ah, il est de finiteur. Ah, ah, ah. Ok. Donc, alors, on est là. Tellement mal foutu. Ok. Donc il y a celui-là et il y a l'autre. Ok. Je pense que là on devrait avoir tout. Bon, une carte SD. Carte SD de 4 gigas, c'est bien suffisant.
Alors, Spectre rencontre un problème. Ouais, oui. Bien fait. Ok, on va le formater. Oui. Alors, me dis pas que ce lecteur de cartes, il fonctionne pas. Hein. On met du temps pour formater une carte. Voyons. Amovible, hop là. Alors, c'est qui redonne comme sur. Okay. Celui-là qui me parlait, c'est l'autre. Firmware. Ouh là 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 là, le lecteur qui marche bien. Oui, exactement. Exactement ça, tiens. Oh, c'est une blague, comment est-ce qu'à cette époque-ci on peut encore avoir des billes pareilles sur un USB quoi. Il faut pas être pressé, hein. On est en train de copier une carte SD, le tout. Hein. Bon, là, il sonne d'alerte. Vous l'avez pas entendu? Ah, bah non, j'ai mis Twitch en fait, donc je pense que c'est ça. Ah oui, ah oui, hein, tu l'as sur Twitch, pas sur Discord. C'est vrai. J'ai pas encore mis d'alerte, puis moi des alertes lumineuses avec celui-là, mais... Donc on va acheter des petites boules connectées pour faire la lumière. Il est trop fiché dans le dossier bot. Ok. C'est pénible d'avoir des copiages comme ça. Oh non. C'est vraiment un chier. Y'a pas à dire. De copier les trois fichiers. Bon, on verra bien quand il aura fini. Hein. Il a préparé un cordon d'alimentation. Donc il copie tous ses bardas. Parce qu'on a le temps. Hein. Il y a d'ailleurs le truc de copie. Ah oui, si en plus il se déconnecte, ben ça va être bien. Pom pom pom. Câble trop court. Bah oui, câble trop court. C'est ce que je disais. Toum toum toum.
On va déjà voir si l'écran il réagit déjà. Il n'y a pas de carte SD dedans, mais. Il devrait. Normalement. C'est pas possible, hein. Mais c'est quoi ce bazar? Allez. Alors, pas de signal. Merci. Pas de signal à chaque fois. Allez. Vraiment attendre qu'il y ait la connexion avec avec ce Raspberry Pi. Après il faut copier quoi dedans? Il y a trop fichiers à copier qu'il a dit. Je crois, si je ne me trompe pas. Ah ouais. Erreur. Boot. Code bin, fix update et start LF. Ok. Oh là là, il a pas encore fini de copier. Boot code bin. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui va aujourd'hui. C'est même pas dire que ça rame le 56K, c'est sous-tu lecteur de merde là, qui sait pas copier deux fichiers sans me casser les burns. La dèche des lecteurs de cartes mémoire ici. C'est vraiment la dèche des lecteurs de cartes mémoire. Ouais, 0.2, ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment du 0.2. Hein. Allez, c'est quand même pas possible quoi ça. Dis. T'as vraiment idée de pas vouloir aller, secteur. Allez, dégage. Allez, hop. Ah, bon, on va refaire un bon propre formatage. Merci. Hop là. Revenons du tout transfert. Oui, merci. On s'en fout. Dégage. J'ai demandé un logiciel, mais apparemment, c'est trop demandé. Déjà le temps qu'il met pour formater, c'est déjà pas normal. Et l'autre lecteur, il sait pas où il est passé. Voilà, deuxième, mais volé. Ah là, il y en a. Celui-là il marche beaucoup mieux. Ça c'est vraiment de la grosse merde. C'est pas compliqué, merci poubelle. Ah faut plus chipoter, quand ça veut pas aller, ça veut pas aller, tant pis, allez on change. Alors, lecteur I, format, oui. Accès refusé. Ouais, on va leur démarrer. Et bon, quand ça a vraiment idée de faire chier le bazar, c'est jusqu'au bout, hein. Ouais, hop, 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 hop. Oh là 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 là. Allez. C'est pénible, hein. Voilà, je l'écarte. Qu'il n'y a rien qui va aujourd'hui.
Une journée où j'aurais pas dû faire du live. Hein. Ah, y a rien qui va, bah y a rien qui va. Hein. Parce qu'elle est application. Ah, il me dit que l'application est déjà en route. Ah là, je viens d'avoir passé. J'ai pas d'autres fenêtres en route. Tac. Ah là 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 là. Je crois qu'aujourd'hui je vais tourner la page pour aujourd'hui. Je crois. Qui va, y a rien qui va. Hein. C'est pas ta soirée. Bah ouais, je vois ça. Ouais, il me dit qu'il est déjà. Ouais, bah en plus on a encore des mises à jour de Windows 10 en attente, comme d'habitude. Ouais, tant que j'ai pas fait moi, tant que j'ai pas programmé le machin, je suis là, plus rien ne va. Ah non. Alors, on peut le formater manuel alors. Ça va peut-être marcher mieux alors. Formate pas. Ça ne formate pas. En fait, ça m'a tout bloqué. Génial. J'aime ces soirées qui ne marchent pas. Poum poum poum. Ah, même OBS a planté. C'est toujours en live là. Ah bah oui. Il n'y a vraiment plus rien qui va quoi. Je suis en live mais je te vois saccadé. Ouais, je vois que j'ai un débit qui est... Il fait des montées ah ouais, des non, sons. Là t'as carrément coupé. A coupé carrément. Bah là ça dit que t'es toujours en live tu vois mais t'es cassé. F5. J'ai perdu. F5. Refresh le navigateur. Ah c'est bon. Ok. Jusqu'à OBS qui s'amuse. Eh ben c'est bien. Tu fais des blagounettes. Ouais mais c'est des blagues de mauvais goût. Des blagues de mauvais goût, ça. Bon. J'aimerais bien que je puisse formater ma carte. Ce serait pas du luxe. Et l'application est toujours occupée. Je pense que c'est pas le jour à faire un live aujourd'hui. Regarde toujours s'il n'est pas dans un autre process, hein, parce que il n'y a pas d'autre process sur celui-là. Donc on va essayer de le relancer.
Non. Ah, il s'est lancé. Ah. Alors, il trouve pas la carte. Une blague ce soir, quoi. Ah, la blague. Alors, quick format, oui. Ouais. Ouais. Et j'ai pas redémarré l'ordi depuis... Bah si, j'ai redémarré hier. Parce qu'il est resté tout à l'arrêt hier. Là, il veut même pas formater ma... Je pense que ce je sais qui va. Celui-là, je sais que celui-là, il marche très très bien. Il veut pas formater. Salut Planeur, salut salut tout le monde. Anti-magnète. Ah ouais. Non. Je vais mettre de ça et du papier alu autour de, du cerveau parce que là, il n'y a plus rien qui va. C'est un peu le bordel. On remet le chapeau. Ah oui, mais je n'ai plus le chapeau. C'est bien en aluminium là. Ouais, c'est bien en alu. Non, ah, je n'ai plus, je n'ai plus. Il a eu un malencontreux accident. Donc il était plus d'attaque pour monter sur la tête. Mais c'est une blague ou quoi? Je dois redémarrer le PC pour formater une putain de carte SD. Merde alors. Bon. Donc là, ok. Là, je vois bien ma carte. Je refais format. Et ça marche pas. C'est pénible. Qu'est-ce qu'on va bien faire quand ça veut pas aller? Il va falloir que je redémarre le PC. Il doit redémarrer le PC, bah oui, il n'y a plus rien qui va en fait. Je me demande si la station météo elle marche encore aussi. Ah si, ouais, il y a la même. Le micro. Oh, putain. Encore? Ouais. Quand on gagne fois 10 000, ouais. Ouais, je sais pas, il n'y a rien qui va. Je pense que je vais... Je vais pas trop continuer ce soir sur cette allure de... De y a rien qui va. Je crois que ça ne sert à rien d'assister, je pense. Il y a des jours où ça veut vraiment pas. On est tombé sur un bon jour aujourd'hui. Oh non, c'est pas la panique. Hein. On panique pas. T'as rien de paniquer. Si on panique, on fait de la merde. Donc, on fait quand même de la merde. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas grand monde en ligne, alors qu'est-ce que tu veux que j'aille Qu'est-ce que vous voulez que je vous envoie quelque part? Je crois que je vais pas continuer comme ça toute la soirée avec rien qui va. Là ça veut dire redormir et attends. J'ai une notif. Qu'est-ce qu'il y a comme notif? Format fail. Bon. Je vais devoir redémarrer l'ordi. Donc mais brave gens, je vous dis à demain, parce qu'aujourd'hui il n'y a rien qui va, peut-être que demain ça ira peut-être mieux, j'aurai peut-être l'occasion de pouvoir faire plus de choses demain, et voilà. Mais maintenant c'est mis en week-end, ouais c'est vraiment ça en plus. Merci de... Bienvenue, Scaria.
Ouais, il est lecteur de. Je sais même pas qu'on peut formater une carte SD. Allez, je suis quand même pas bête quand même. Je sais quand même bien formater une carte SD. Ce lecteur-là, il a toujours bien fonctionné. Il a jamais merdé les cartes. Et là, à chaque fois que je mets une carte dedans, à chaque fois, y a rien qui va. On dirait que les USB sont un peu partis dans les choux. Voilà. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Demain, on va faire ça hein, demain. Je vais pas continuer aujourd'hui parce que si je redémarre le PC, il y a deux mises à jour de Windows 10 qui doivent encore se faire et qui vont sûrement se faire au redémarrage de l'ordinateur. Et qui dit démarrage, qui dit mise à jour de Windows 10, dit PC qui merde après. Parce que c'est un logiciel de merde. Bien heureux quand on tourne sur Linux d'ailleurs. C'est dommage qu'on est obligé d'avoir Windows pour faire tourner certaines applications. Sinon, il y en a un qui irait bien se faire la mettre bien profond. Parce que j'aurais fait ça sous Linux, ça aurait été tout seul. Bon. C'est pas tout ça, ben je vous dis à demain alors. Comme il n'y a pas grand monde, ceux qui veulent voir les suites des aventures, ben... Faites un follow ou mettez vos liens, gardez-le sous la main demain 20h30 ou peut-être l'après-midi peut-être. Vu qu'on est dimanche, on fera peut-être l'après-midi peut-être. Hein. En tout cas, demain, ça fonctionnera. C'est pas le choix de toute façon, ça doit. Allez les gens, passez une bonne soirée. Désolé. Quand il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Et on fera avec. Voilà. Allez, ciao ciao tout le monde, bonne soirée. Ah, et si en cas je suis dispo sur Discord à ceux qui veulent.